Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le smile au lèvres parce que ça me tient beaucoup à cœur ce dont je vais parler. Ça fait maintenant 3 mois qu'un ami du nom de Kalevis s'est lancé sur Twitch. Vous le connaissez peut-être ou peut-être pas. Et en fait, il est temps de faire mes aveux. Il y a un lourd passé avec Kalevis que vous ne connaissez pas. En réalité, c'est Tom et la personne avec qui j'ai fait le plus de feeds sur ma chaîne principale Mastu. Aujourd'hui, toutes les vidéos ou la plupart sont en non répertorié. Et sans lui, je pense que j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Pour le moment, il est dans une période de transition, c'est-à-dire que jusqu'au mois de septembre, il fait quasiment que du stream. Il stream tous les soirs. J'adore ses streams. Je dis pas ça parce que c'est mon pote. Vraiment, je les trouve trop cool. Et lui, son rêve, ce serait de pouvoir en vivre. Parce que depuis qu'on est très jeune, on se dit tout le temps qu'on aimerait être notre propre patron. Oh là, c'est dur à dire cette phrase. Être notre propre patron. On veut bosser ensemble, on veut être indépendant, on veut être libre, on veut voyager ensemble, on veut vivre dans notre passion. Et le stream, c'est quelque chose qui l'anime, je le vois, il se donne à 100%, vraiment à fond. Et malheureusement, le problème, c'est que moi, je peux pas streamer avec lui actuellement parce que mon PC est en miettes. Donc il est parti en réparation, il va revenir. Et j'ai envie de lui rendre un peu l'appareil. C'est-à-dire que lui, il m'a beaucoup aidé au début de ma chaîne. Et j'aimerais vraiment que ça marche pour lui parce que je trouve qu'il mérite. C'est pas juste je booste un pote qui mérite pas, c'est vraiment quelqu'un qui se donne à fond. Qui s'investit. Quelques extraits qui s'affichent à l'écran. Oh non, oh ZB. Il est pas sous la terre. Je veux un théo pour elle. Là, tu vois, y'a un ballon, j'ai envie de mettre un coup de pute à la tombe. Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo. Là, il est venu sur Angers. Bah, pas exprès pour ça parce qu'il est pas au courant que je suis en train de faire la pub. Là, il attend dehors. Je l'ai mis. Je l'ai mis au bout du couloir. On dirait il est puni. Donc, je sais pas ce que je peux lui apporter. Et je sais pas ce que vous pouvez lui apporter. En tout cas, ce que je sais, c'est que lui, il a beaucoup à apporter dans le sens où il se donne vraiment littéralement. Il stream 6 heures par jour. Il est au taquet. Je mets le lien de sa chaîne Twitch dans la description. Si vous voulez me faire un cadeau d'anniversaire, oh, c'est absolument pas mon anniv, mais si vous voulez me faire plaisir, à l'heure où sort cette vidéo, il est actuellement en live. Cliquez sur le lien, allez lui faire un petit coucou. N'hésitez pas à le suivre et essayez de regarder, de rester un petit peu. Voilà, c'est pas le concept de la vidéo, hein. Y a un concept derrière, attention. Bon, du coup, vous vous doutez bien qu'il est pas venu pour rien. On va regarder toutes les anciennes vidéos qu'on a tournées ensemble qui sont très cringe aujourd'hui. Elles datent d'il y a 3 ans, 4 ans. J'ai pas envie de les voir. Avant ça, je vais filmer pour vous montrer où est Kalevis actuellement, de son vrai prénom Loïc. J'ai vraiment l'impression d'avoir mis au coin. Est-ce que vous êtes prêts? Il est puni. Viens, frérot. T'es au coin ou quoi? T'es puni ou quoi? Vas-y, viens, en vrai. Mesdames et messieurs, la démonétisation qui arrive dans le champ de vision. Bon alors mesdames et messieurs, Kalevis. Et yo tout le monde. Est-ce que t'as l'impression? En vrai non, ça va. Ça va, ok. Ah bah maintenant c'est vrai que je suis un grand streamer. C'est maintenant. Vrai que maintenant t'as rejoint la team des grosses têtes hein. C'est plutôt une giga grosse tête. Ok, bon alors comme je vous l'ai dit, on va regarder les anciennes vidéos qu'on a tournées avec Loïc. Il y en a 10 au total. Depuis le début ça fait pas mal, hein. Ouais, ça fait pas mal. Surtout que la plupart ont été tournées, bah comme je l'ai dit, elles sont en non-rep et c'était depuis le début. Oui, c'est vrai. Genre c'était vraiment tout au début. Ouais, des premières vidéos quoi. Moi je suis là depuis la base. C'est moi qui t'ai lancé un peu, on peut c'est le dire. C'est vrai que c'est toi. C'est un peu, je suis un peu. Une fois que je t'ai lancé après, je t'ai dit allez, vol de tes propres ailes. C'est ça. Ah, déjà physiquement, toi déjà là, petite teinture blanche. Attends, non, c'est quoi? C'est une décoloration? C'est une décolo. Parce qu'il a atteint les 100 subs sur Twitch, déjà on peut t'applaudir parce que c'est stylé. Et t'as tenu parole. Décolo, ça rend bien en vrai. C'est vrai? Ouais. Non, je sais pas, je trouve c'est stylé. C'est je vais arrêter de te pécho quoi. Quoi? Hop, je t'ai pincé le téton. Oh, wow. Je t'ai vraiment pincé le téton en fait. Oui. Le téton est vraiment pile poil sur le. Non, le téton il est là et le bril est là. Okay. Faut que je décale un petit peu. Vas-y, tu peux pincer mon téton. C'est bon, gros. Ah, on va passer à autre chose. Non, mais c'était pas. Ok. T'as envie que je te pince le téton? La vidéo. Ouais, la vidéo. Ok. Alors attends. Lire la description s'il te plaît. Petite vidéo qui change de celle de d'habitude avec Loïc, un ami qui compte beaucoup pour moi. Ça me fait vraiment trop plaisir quoi. Attends, comment j'étais brossé dans le sens du poil? C'était pas vrai? Non, je déconne, ça va. Ah ouais, ok, j'ai eu peur quand même. Là, attends, déjà. Non. À l'époque, j'avais pas de caméra. À l'époque, j'étais avec la webcam de mon PC portable. Donc là, on est sur un PC portable qui pue la merde, qui est pas du tout axé gaming, je m'étais fait arnaquer. 22 likes. Sur 270 vues, c'est un bon ratio, mine de rien. J'ai trop. Déjà, il y a 20 frames. Il y a 20 FPS. Salut à tous, c'est Mathieu Batmac. Non. J'ai une couronne de la fête des rois. De la galette des rois. Il y aura des vidéos avec un peu plus de. À plus HD, mais au fur et à mesure du temps. Là, on est en 2015. Petit à petit, on va remonter jusqu'en 2017. C'est le début, mec. C'est le début de ma chaîne. C'est le début. C'est-à-dire que j'avais fait une vidéo où je regardais mes anciennes vidéos. J'ai pas montré ça en me disant, je vais même pas aller voir ces vidéos. Alors là, on est vraiment en train de fouiller. Prends une grosse pelle, là, ta chaîne, on la remonte. Là, tu la remontes bien comme il faut quoi. Salut à tous, c'est Mathieu Batman, donc on se retrouve aujourd'hui. Je rappelle qu'il s'appelait quand même Master Batman. Non, non, les marques, c'est si, faux. C'était Master c'est faux, Batman. C'est faux, non, les gars. Ah, les marques, ça vient de Matsu, n'importe quoi. Oh. En fait, j'ai changé pour faire des OP. Du coup, l'idée, c'est que genre, faut pas trop le dire. Ah, pardon, ok. Donc, il s'appelait Mastu. Matsu à l'époque. Matsu. Ça dérive en Mastu. En fait, c'était un petit prank. Moi, je jouais Robit et lui, il jouait Master Batman, quoi. Dave Milone. Oh là. Oh.
Arrête. Qui est le fils de pute qui est lâché? Ah ouais, non, mais quoi, mais okay, mec, tu suis obligé, gros. Arrête! Fils de pute! Mais mec, oh mec, tu l'as mal vécu. Hein. J'étais pas bien, en vrai, j'étais l'as pas mal bien. Vécu. En fait, ça m'a vraiment surpris de, sur le coup, en fait. Faut le débrief, on a note sur 10 la vidéo. On a note sur 10? 1. 1 parce on que. On le voit pas. Le son il pue la merde, le jeu il bug, le jeu il y a rien. Y a rien qui va, y a rien. Absolument rien qui va. Vraiment rien. On est deux jours, la caméra est mieux. En gros, l'histoire de vidéo, c'est on fait des mini-jeux comme ça, et celui qui perd, il donne un gage à l'autre, c'était ça? C'est ça, on a mis le gage ultime alors que le gage est claqué. J'ai envie d'aller au gage direct. C'est pas ça, c'est trop bien, mais c'est rageant. C'était cancéreux. Je pense qu'on y joue aujourd'hui, on s'insulte. Oui, c'est pas faux. Car mes épaules, elles sont pointues et tout, sa mère. Là, je fais plus imposant, genre. Ouais. Ah, dis-le juste. Ouais, ouais, t'as pris de la masse, en vrai. T'as pris de la masse. Non, ouais, c'est un gros steak. Steak grosse, là. C'est un bon steak. Ma cul, c'est pas aussi steak, je crois. C'est pas possible. Le setup il est incroyable. On avait mis le portable comme ça et calé sur l'ordi portable hein. Alors qu'on fait des jeux avec de l'eau. Ça aurait pu être la fin de ta chaîne YouTube. Et parce que si là le PC il crame, y'a plus rien. Y'a plus de maths dessus. Et oui, c'est marrant de dire ça en vrai. Que je me rendais pas compte à l'époque. Mais si le PC il cramait, c'était terminé là. Si le PC il cramait, t'étais pas là. Hein. Surprise, motherfucker. Mais toi, t'as recraché par le nez. Ouais, j'étais totalement tout craché dessus en fait. Bah moi, je peux recracher dessus derrière. En fait, toi, t'as rien pris. Oula. Oh là là. On va passer tout ça. J'ai perdu l'usage de mes oreilles pendant cette vidéo en espérant qu'elle vous plaise, bande de petits. Alors t'en as rien à foutre. On change la description. Bonsoir à tous mes gazelles, aujourd'hui on se retrouve. C'est vrai, pourquoi tu fais plus l'intro des gazelles? Non, les gars. Non, vrai, ta gueule, allez, vrai, ta gueule, tais-toi. En vrai, l'intro des gazelles. Non, combien de pouces bleus pour l'intro des gazelles? Combien de pouces bleus pour qu'il refasse une intro gazelle sur sa chaîne principale? On va mettre une note ici, là. Votez si moi je le reprends une fois ou si lui il le fait à tous ses streams. Ah non, mais non, mais c'est pas. C'est pas moi. Non, c'est la relève. À l'époque j'étais son poulain, aujourd'hui c'est le mien. Je veux que tu sois la relève des gazelles. C'est pas équitable. C'est pas équitable. C'est une gazelle premium. Et 1000 vues, 78 pouces bleus. C'est ouf. Encore merci d'avoir sauvé ma vie. Oh, c'est un mec que j'avais rencontré dans la rue. Il m'avait demandé de l'aide pour rentrer chez lui, enfin chez un pote, il avait plus de télé, il avait plus de batterie. Ah, okay. J'avais activé Google Maps, j'avais été chez lui, quand on est arrivé chez lui, son pote était pas chez lui. Il se souvenait du numéro de sa mère, il avait appelé sa mère pour qu'elle appelle son pote. Son pote était bordel. Ailleurs, je l'avais accompagné, mec, c'était incroyable. Le meilleur poulet de ma vie, encore merci, c'était vraiment sympa de ta part. Au passage, tes vidéos sont super, continue comme ça. Je suis sûr qu'il me regarde plus aujourd'hui. Simon Bellucci, si tu me regardes, n'hésite pas à manifester. Ouf. En vrai, ce serait ouf qu'il te regarde. Il s'en branle le fion, je pense. On se retrouve avec Loïc qui est actuellement en mode Bob le bricoleur avec son superbe boule et sa grosse clé. Je ne parle pas de la clé dont vous pensez. Tu parlais de quelle clé, gros? Bon, tu sais, avant, j'avais pas un humour super fin. Oui, c'est vrai que aujourd'hui, j'ai toujours pas un humour super fin. Ouais, mais il est plus modéré. Aujourd'hui, il est plus modéré, ouais. En vrai de vrai, c'était de la merde. Je crois que ça tourne. Bonsoir à tous. On se retrouve sur Rocket League. Un peu plus à l'aise. Ces scènes ont été réalisées par des experts et ne sont pas à reproduire chez vous. Oui. Mais t'es vraiment qu'un connard. En vrai ça sortait vraiment du cœur. Mais t'es vraiment qu'un connard. Oh là, j'ai plus de voix. Waouh. Tu prends de ton compte Elise Payne ou pas? Pire, si tu claques, c'est pas très grave, non? Je reprends la chaîne. Dis à tout le monde d'aller s'abonner à ton Twitch. J'ai une vidéo sur la chaîne où tu n'as aucune peine. Mastu est mort. Frérot, j'ai une chaîne Twitch qui s'appelle Calais03. N'hésitez pas à venir me suivre pour un max de délire, un max de fun. T'imagines? Rien de plus à montrer dans cette vidéo. On va petit à petit se redécaler vers les vidéos IRL. Il y en a une que je repense, c'est celle où vous m'épilez tous. Oui, c'est la dernière, il me semble. C'est la dernière. C'est la dernière qu'on a tournée ensemble. Après, c'est après bon. Après la tête sur Dazzy. Parce que avec les autres, tu vois, t'en as refait des vidéos en voiture. C'est vrai. Par contre, moi. Ouais, mais je me suis dit, ouais, plus tard il va devenir un gros streamer. J'ai pas envie que ça arrive trop tôt. Je veux d'abord avoir ma fame. Ensuite, une fois que je serai bien au-dessus, je te ferai un petit peu de pub. Comme ça, t'as toujours la grosse tête. C'est ça. Et t'as aucun risque, quoi. C'est ok, ça, ça marche. Bonsoir à tous mes gazelles, aujourd'hui on se retrouve sur Who's Your Daddy avec Loïc. Mec, j'ai envie de le refaire en live. En vrai, c'est trop drôle. En plus, il y a eu plein de mises à jour. Ok, c'est une poignée de main officielle. On aura un stream de nous deux sur Twitch où on jouera à ça. Et moi, je vais jouer le gosse, donc le fils du père. Hein. Tout va bien. Et donc, en gros, moi. Eh, Mastu, il était trop drôle avant. Il était trop drôle. Il disait FDP. Mais tout, il bouffait des piles. Ah, mais il y avait un système de vie et tout. Oui, t'as quand même bouffé toute une batterie de piles. Et ça me tue pas. C'est ok. Ça te tue pas totalement, tu vois. C'est quoi? On spoil pas, on ira sur le jeu en live, les gens viendront. Ok. Comme ça, hop, ils voient pas le jeu. Ça sera bien mieux. Ok. Ça me paraît pas mal. 61 000 vues. Hein. Cette vidéo comporte beaucoup de vulgarité, mais on s'en fout la bise. C'est vrai qu'on était des cancers. J'ai loupé quoi là? Oh, environ ta mère. Pourquoi j'ai dit ça? Je sais pas. T'as loupé quoi? Oh, ta mère. C'est vrai que ça a pas de sens. Ça a vraiment pas de sens. J'ai fait deux erreurs. Le papier peint Spider-Man. Premièrement. Deuxièmement, je suis encore à contre-jour. J'étais vraiment con quoi, ça me servait pas de leçon, tu sais. Cette vidéo est vraiment infâme. En vrai, de vrai, elle est infâme. Elle est infâme parce qu'elle est infâme. C'est vraiment une vidéo entre potes sur CSGO. C'est vraiment que des insultes, genre y'a que ça. Mais y'a un passage qui vaut le coup. Mais putain, merde.
J'ai vraiment pété un gros câble. Il sort du fond du cœur. Mais putain de merde. En vrai, à travers la smoke, mec, c'est mais surtout, chiant. Je suis nul, je suis nul. Mais c'est même pas ça, c'est qu'au gros, je smoke, je me dis, vas-y, je suis tranquille, c'est ma suite en face, j'avance. Et je prends un gros. Ouais, parce que t'es nul, tu viens de me dire. Ouais, enfin bref, ouais. Ça m'a cassé. Je trouve trop honnête. On pourrait dire, genre. Non, mais t'étais pas au top de ta forme, je dirais. S'il y a des gens qui aiment bien l'ancien humour de Mathieu avec Bit Couchette, allez la voir parce qu'elle est vraiment. Non, bah là, elle est vraiment très énervée. Tout le monde s'insulte. Cette vidéo, il faut la contextualiser. La pire dégustation de Jelly Belly. Bon, bah, ça y est. On a le contexte. Non, en gros, on jouait à l'époque dans une petite maisonnette d'un pote. Oui. On se rejoignait tout le temps là-bas et on jouait à 8 parties. Le truc, c'est qu'à l'époque, j'avais pas de quoi filmer l'écran. Donc j'ai fait une vidéo où on joue au jeu sans l'écran. Enfin, sans règle. En fait, il y a juste nous. Mec, ça n'a aucun sens. Regarde ça. Royaïaï, regardez ça. Regarde comment t'arrives, gros. Regarde. C'est pas moi, ça. Mais si, c'est mais toi. Mais non, mais moi, j'ai les cheveux déco. Bah, depuis une semaine, gros. Non, ça fait droit, des années que j'ai fait la déco. C'était pas moi. J'ai vu le motard. C'était pas moi. Comment j'ai pu me dire, hey les gars, ça va être une bonne on vidéo. Se pose dans un endroit avec plein de réverb comme ça on comprend pas ce qu'on dit. On se met dans un endroit super sombre comme ça l'image est dégueu. Y'a pas de rec écran. Oh là là, c'est vrai que ça n'avait aucun sens. J'avais pas de matos, cette vidéo n'avait aucun sens. Ouais. Oh damn. Il avait juste éclaté la je ne l'ai pas. Le Odem il est incroyable. Oh damn. Ah c'est une voiture pour chien. Elle est bonne. C'était pas forcément le plus dégueu. Il restait. Mais c'est celui qui donnait la plus mauvaise haine et ouais, ça restait vraiment ça beaucoup. Restait genre en mode là à la fin j'ai mangé plein de bonbons et ça sentait encore la merde. Mais tu sais que bah, là où j'étais, Lucas il en avait eu un pâté pour chien. Ouais. Et je le sentais. Hein. Je le sentais vraiment venir genre sur moi. Il était à 3 places de moi, je sentais un pâté pour chien. En gros c'est une dégustation de Jelly Belly quoi. Sans gameplay et juste avec nos tronches, avec une réverbération de merde. Et une qualité de merde. Non. 77. C'est comme si on réservait un stade de France entier. Et on met cette vidéo sur 4 écrans. Attends, cette vidéo est très récente. C'est la dernière ça. C'est la dernière, ouais. C'est la dernière 2017. Dernière que j'ai tournée avec lui je crois. Ça fait 3 ans tout pile. Ça fait 3 ans que tu m'as snobé. Maintenant on est sur Twitch. Bah non, maintenant on est sur Twitch. Tu sais que encore aujourd'hui je la trouve trop cool. En gros pour vous expliquer le concept, j'avais acheté 20 bandes de cire, vous me les aviez toutes collées sur ma jambe. Ensuite on mettait des génériques de Pokémon et fallait que je continue à chanter pendant que vous m'enleviez les bandes. Au final, il a pas chanté du tout. T'as dit à la fin que tu ferais peut-être le torse. Non, il a dit qu'il ferait peut-être le torse. En vrai gros, je crois pas. Le torse. Je crois pas, j'avais dit ça. Si, je pense que tu te souviens pas très bien en vrai. Je me souviens parfaitement. Non, je pense que tu te souviens pas très bien. Je me souviens parfaitement que tu vas faire le torse. Là, j'étais encore serein, je pensais que ça allait le faire. Ouais, tu dis ouais, ça va pas faire mal. La réaction si naturelle. Il y a vraiment un giga trou. T'avais fini l'épilation? Non, je m'en suis battu les couilles. On était le 22 avril, ouais. On faisait cette vidéo. Tout le long de l'été, j'ai eu des trous dans les jambes. Oh. Je me suis jamais rasé. Par contre, j'avais des jambes grosses et des knackis. Vraiment, tu mets une knackis si grosse, c'est la même chose. Ouais. Oh, alors là, elle est parfaite. Là, c'est une elle est parfaite. Parfaite. Je te serre la main parce qu'elle est vraiment elle est bien. Parfaite. T'es le premier à me l'avoir fait bien. Regarde le tout smile. J'étais content. Regarde j'étais le content. Smile. J'étais heureux, il est fier. En vrai, j'étais heureux. Oh là là. Tiens le pouvoir. Qu'est-ce que tu fais? J'en ai marre! En gros, comment je pétais? Mais ça sort tellement. Je pense que ça a dû te faire vraiment mal. Un mec, mais vraiment mal. Et j'en pouvais plus. En fait, j'avais envie de faire une pause tellement j'avais mal. Genre, j'avais envie de faire une pause. Quoi. Ça te dirait pas de le refaire, gros? Et gros. Sur le torse, ça va. Comment j'ai pu dire? Comment j'ai pu dire que j'allais le faire sur torse? Je suis complètement con, en vrai. T'as dit que t'allais le faire sur le torse? Non, je viens de le dire là. On la redouble. Comment j'ai pu ne pas dire que j'allais en faire sur mon torse? C'est trop mal! Bon mec, mais. Là, t'étais possédé, il était possédé par le démon là, en vrai. Je rigolais plus du tout là. Ma tête gros. C'est la meilleure. Je veux une émote Twitch comme ça. Je veux une émote Twitch comme ça. Mais tu veux la sortir dans quel contexte? Mec, ce qui est marrant, c'est que cette vidéo, autant j'ai souffert au moment où je l'ai fait, mais elle me laisse vraiment un bon souvenir. Parce qu'on a passé un bon moment quand même. On a ouais, rigolé. Ouais, je pense que c'est pour ça. Même si ça avait mal, t'as rigolé. Genre, je pense au montage, je me marrais parce que je vous voyais rire et tout, vous étiez des putes quoi. On est arrivé à la fin de toutes ces belles vidéos. Regarde, c'est simple. C'est un chronomètre. T'as 20 secondes pour faire ta pub. 3, 2, 1, go. Alors, salut à tous mes lapins. Donc, je suis le pote de Mastu. J'ai une chaîne Twitch du nom de Kaivis03. Je fais principalement en ce moment du Minecraft. J'ai créé un serveur. Ouvert à tous, vous pouvez parfaitement venir et le rejoindre et jouer avec moi. Il y aura des events, il y aura des mods, il y a pas mal de plugins et tout. Et au-delà de ça, je fais pas mal de jeux vidéo, je fais des lives avec Actuan, Linka et Mastu, voilà. 19, mec, t'es trop chaud, mec, parfait, il était chaud. Parfait, parfait. T'as acheté plein de slots, du coup, vraiment tout le monde peut venir jouer. Il y a 100 slots là actuellement. Ouais, voilà. Si vous voulez venir jouer à Minecraft avec nous, c'est le moment. Ça sera avec plaisir. On est sur le serveur, on vous attend. Toi. Si j'y suis, mais en scred. C'est vrai? Ouais. Bon, c'est la fin de cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. Le lien de la chaîne Twitch de Kalevis est dans la description, n'hésitez pas à aller vous abonner, à aller le follow. Il est actuellement en live, je le rappelle. Et puis n'hésitez pas également à vous abonner à ces chaînes, à activer la cloche, à laisser un petit pouce bleu. Vous connaissez la musique, on vous laisse, nous on va se casser. Et puis, pouce bleu, ouais, on se casse. Pouce bleu, ouais. Ça faisait longtemps, putain. On vous dit à la prochaine, des bisous. Faut vraiment que tu fasses une vidéo avec Hypno. On parlera de ce personnage. Oui, il faut vraiment que tu fasses une vidéo avec Hypno. C'est vrai qu'il faudrait. En plus, Hypno. Voilà, ceci l'autre.